toujours la bienvenue. Permettez-moi avant que l'arbitre ne sorte le pied en bras de vous présenter une bonne carrière. Merci Victor, je suis ravi d'être ici pour voir ces deux équipes s'affronter. C'est parti. Des points très précieux sont en jeu aujourd'hui. Je peux vous assurer, après avoir vu les comptes rendus dans le match, que les joueurs et les entraîneurs sont super motivés. Tout repose maintenant sur le talent des artistes. J'espère que les deux formations vont pratiquer un jeu ouvert et offensif. Ce sera intéressant de voir comment ils ouvrent le match. Et ils avancent bien sur le couloir gauche. La défense a tenu bon jusqu'ici. Il faudrait choisir le centre. Bien joué de la part du défenseur. Très bien de la part du défenseur. Joli duel, le ballon est gagné. Quelle belle occasion! La balle a été envoyée en sortie de but. Va-t-il continuer? Et voilà, il tire au but. Sûrement cette fois-ci. Il va se créer une nouvelle occasion. Centre magnifique dans la surface. La défense est menacée à gauche. Jolie combinaison. Il peut marquer. Et la faute était bien. Et le joueur n'est pas content, il discute avec l'arbitre. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Il peut passer en force. Quelle combinaison. Contact, il n'est pas tout sifflé. La position du ballon reste à leur avantage. Ils ont toujours le ballon. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Bien joué ici. Il s'en va le long de la ligne de gauche. Ah, c'est bien joué, c'est le centre. Ils ont toujours la situation en main. Joli duel, le ballon est gagné. La balle change de propriétaire. Ça passe pas. La défense est malmenée sur le côté. Bien joué les défenseurs. On n'est pas laissé encore bien ce que j'ai marqué. Très quand même. Nous avons au milieu de la surface. Va-t-il marquer? Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Sa frappe, mais ça n'a pas marché.
mettre l'endroit. La défense a récupéré le ballon. Bon retournement de situation, il a le ballon. Un super saut. Et une nouvelle fois, il lui a manqué d'un cheveu. Pas de chance sur ce tir. Pourtant, il avait su se mettre en bonne position. Toujours pas de but, et rien ne semble indiquer que le score va évoluer d'ici la pause. C'est beaucoup trop imprécis. C'était imprécis, pas d'interception. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. Il prépare sa frappe. Le gardien me semble un petit peu nerveux. Il peut remercier son défenseur. Du pied, dégagement sûr. Bonne action, le ballon est récupéré. Super entente. Il ne lâche rien et monte vers le but. Bien envoyé. La première mi-temps s'achève. Les entraîneurs vont faire le point avec leur équipe respective. On se retrouve dans un quart d'heure. Jean-Luc, que penses-tu de la première mi-temps? Ah, jusqu'ici, le match est très passionnant. 0-0 à la pause. Espérons que la seconde période nous réserve un ou deux buts. Les 45 dernières minutes de ce match viennent de débuter. Comment le jeu va-t-il évoluer? On change de côté pour la deuxième mi-temps. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Ils ont toujours la maîtrise du ballon. Ouh là là, il y a des actions qu'il ne faut pas rater. Ils ont fait l'impossible pour empêcher le ballon de rentrer dans la surface. La possession du ballon reste à leur avantage. C'est mal ajusté, bien intercepté pour le coup. Il continue encore sa course. Action dangereuse, il peut marquer. Tout à fait remarquable. Il mène. Juste après le repos. C'était vraiment un très joli tir dans le coin gauche. Oh là là, il a été loin à venir ce but. Mais ça y est, le match est lancé. Un joli but, n'est-ce pas Jean-Luc? Une percée et une contribution super. Il s'est joué de la défense et a conclu magnifique. Ils ne semblaient pas vraiment en difficulté, mais maintenant ils ont un but de retard. Ils doivent être terriblement déçus, Jean-Luc. Oui, certainement. Ils doivent maintenant tout faire pour égaliser. Non, il n'a pas vu son partenaire. Ils ont toujours le ballon. Il reprend le ballon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Ils ont de la colle sur les chaussures. Le ballon est pour eux. Il lui a piqué la balle. Attention à l'occasion. Bien joué ici. Maintenant, c'est à leur tour. La menace est écartée. Attention! Très bien joué.
Le ballon passe derrière les filets, 6 mètres. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Que va-t-il faire maintenant? Ça passe au-dessus, bien trop au-dessus. Oh, il aurait dû être plus gourmand. Bien court-circuité. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Il peut surprendre et marquer. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Tentative de tir. Mais pas avec cette frappe qui va être le gardien. Pas de chance sur ce tir. Et on avait su se mettre en bonne position. Presque 75 minutes écoulées. Eh oui, c'était imprécis. Bonne interception. Quelle agilité. Il tente sa chance. Lins. Cette passe n'est pas arrivée. Que va faire le gardien? Eh oui, bien joué, c'est au fond! C'est le but de l'égalisation. Encore un but, et il sera le premier au classement des buteurs. Ce sont deux équipes du même niveau qui disputent un match très serré jusqu'à présent. La victoire va être très disputée. Joli ballon dans le dos de la défense. Oui, ce sont toujours des interventions difficiles pour les défenseurs. Maintenant qu'ils ont marqué le but égalisateur, ça ne m'étonnerait pas qu'ils ajoutent le but de la victoire. Bien joué ici. Et c'est une sortie de but. Le score reste nul alors que le coup de sifflet final approche. Les équipes ont encore le temps de marquer. Tout peut se jouer en 5 minutes. Oh, regardez ça, c'est une de parfait. Quelle terrible erreur de la part du gardien. Heureusement, le défenseur était là. Il doit trouver une solution. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Attention à ce jeu trop physique, tout franc. Il tente sa chance. C'est au-dessus, il n'a pas pu contrôler sa frappe. Ah, je trouve que la construction était bien meilleure que la finition. L'arbitre siffle, c'est la fin du match. Finalement, les deux équipes se quittent sur un score nul. Aucune n'a réussi à inscrire le but de la victoire. Mais à mon avis, les entraîneurs ne doivent pas être mécontents de la prestation de leurs joueurs. Alors Jean-Luc, est-ce que tu trouves que le résultat est équitable? Oui, c'est ça. Il y avait un jeu de qualité sur le terrain. C'est la fin
de cette retransmission. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Jean-Luc. C'était super. Et au revoir.